se livre à une histoire. Il a été écrit pour répondre à des questions que beaucoup de gens se posent, beaucoup de Québécois se posent. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la religion musulmane? Et qu'est-ce que l'islamisme? On parle beaucoup d'islamisme, c'est difficile à comprendre. Alors moi j'ai essayé à travers cet essai, qui a un titre assez explicite, « L'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs », c'est un essai pour tenter de comprendre cette problématique. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islamisme? Comment on voit l'islam? Comment on voit les musulmans ici, au Québec? Et comment les musulmans font pour s'adapter au Québec? Et il faut arriver à transformer le regard que nous avons sur les textes. On ne peut pas lire le Coran aujourd'hui comme on le lisait il y a un siècle, deux siècles ou 15 siècles. Nous avons un regard différent et c'est ce regard que nous devons pouvoir exprimer. Alors je travaille sur ça, je travaille sur un autre manuscrit et puis je fais toujours de la radio et ça me passionne comme d'habitude.